Thank you.
Thank you.
et lisons la parole du Seigneur. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Amen. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Amen. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Mon âme est brisée par le désir qui toujours porte vers tes lois. Tu menaces les orgueilleux, ces maudits qui s'égarent loin de tes commandements. Décharge-moi de l'opprobre et du mépris, car j'observe tes préceptes. Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, ton serviteur médite tes statuts. Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Amen. Amen. Je connais ce Dieu puissant. Qui me lève tout défi, que m'importe si Dieu m'a surgi. Thank you.
tu es vraiment le triomphateur. Oh, tu marches comme le grand guerrier, vous le faire. Louange et honneur à toi. Nos cœurs et nos âmes sont dans la joie, sur la terre, Seigneur. Pour la guérison, pour la délivrance, pour la grâce, pour les protections, pour le pardon au péché, pour bénir le pâtissant, pour les âmes que tu sauves, que tu attires en cause de paix. Combien nous sommes heureux, nous sommes là, d'être dans ces lieux bénis. Et nous pensons aussi à tous nos bien-aimés, frères et sœurs, de par le monde, dans différents pays où ils sont encore aujourd'hui pâtissants. C'est aussi qu'ils sont en connexion ce matin, c'est dans ces lieux bénis, Père. Qu'il soit béni, Père, qu'il soit aussi fortifié, Père. Pour un nous blâme à ton nom. Merci pour les psaumes, merci. Oh Dieu, pour le cœur qui ont chanté ta gloire. Oh Dieu, les mains qui ont battu, mes Père Dieu. Les pieds qui ont dansé pour toi, mes Père Dieu. Tu es vraiment merveilleux, Père. Nous sommes heureux dans ta maison à toi, Père. Combien tu es bon. Combien tu es merveilleux, Père Dieu. Merci pour cet amour que nous avons témoigné, Père. Pour nos enfants, pour nos personnes, pour nos frères et sœurs. Louange et honneur à toi, où tu es offert, Seigneur, par ta voix si priée, glorifiée, au nom du Seigneur et son Jésus Christ. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est vrai, nous avons un Dieu merveilleux qui relève le défi. Qui nous accorde réellement cette grâce de son joie que, puisqu'il vit, nous vivons également aussi. Amen. Et chaque jour qui passe aussi nous rapproche certainement aussi de sa venue. Bientôt, certainement, nous le verrons. Amen. Et comme Job pouvait le dire, mes yeux et non ceux de l'autre, nous le verrons. Amen. Et nous croyons aussi de tout notre cœur et nous voulons que cette conviction, cette assurance et cette fermeté, cette victoire que le Seigneur nous a donnée soit vraiment encore plus profonde dans notre cœur, sachant que nous ne sommes pas comme les autres, mais nous sommes un peuple mis à part, qui croit réellement la parole de Dieu, et comme aussi Job l'a été, et je crois que et c'est comme cela que nous désirons de tout notre cœur être aussi pour le Seigneur. Et le Seigneur, nous regardant aussi, puisse aussi se réjouir aussi en nous, et rendre aussi les témoignages qu'il a aussi rendu aussi des gens. Je crois que c'est le désir de chacun de nous en tant qu'enfant de Dieu. Nous avons ce désir de pouvoir être agréable à notre Père. Amen. Et lui, sérieusement aussi, se réjouir à nous. Amen. Pourquoi nous nous efforçons de lui être agréable pour toutes choses, afin qu'il nous en encore la force de pouvoir demeurer dans la foi et surtout aussi dans le chemin qu'il a lui-même tracé pour que nous puissions suivre réellement ses pas. Parce que nous savons qu'en suivant cela, nous arriverons réellement au bon port. Nous le remercions parce qu'il a dit, nul impur, ni si on s'égarera, effectivement, pourra même pas prendre cela, mais seuls le racheté de l'Éternel, Amen. Ils prendront et ils iront à Sion avec des chants d'allégresse. Nous remercions notre Dieu pour cette grâce qu'il nous accorde de pouvoir réellement être l'un d'entre eux, l'un de ceux-là qui louent de tout son cœur, effectivement, mais qui reconnaissent aussi la grâce qu'il m'est accordée pour le salut. Et ce matin, certainement, vous avez vu le baptistère qui est là. Et j'ai reçu un appel de très tard dans la nuit. Je crois que ce frère, vraiment, c'était le désir profond de son cœur. Je voudrais savoir si le frère Jean-Luc m'a appelé ici. Ah oui, mais je crois qu'il est là. Lève-toi, mon précieux frère, lève-toi. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Minuit passé, à la nuit très tard, et j'ai vu un numéro de téléphone qui s'est répété à pouvoir m'appeler. Et puis, je reprends le téléphone et je ressonne. Alors, il me dit, pardon, pasteur, vraiment, c'est vous, parce que je n'ai pas dit, il me dit, pardon, j'ai appelé maintenant cette heure-ci, et je ne devais pas, j'ai appelé quand même, vraiment, il faut que je sois baptisé. Amen. Si c'est possible que demain, je sois baptisé, je dois passer déjà dimanche. Alors, il me dit, si je vous ai appelé, c'est parce que je parlais avec Vladimir. Et je lui dis, voilà, vraiment, je sens qu'il faut quand même que je puisse être baptisé. Alors je lui dis, mais comment je dois faire? Et puisque vraiment, c'est pressé dans mon cœur. Alors Vladimir lui dit, mais appelle le pasteur. Alors il dit, mais à cet instant, il dit, non, il dit, son téléphone est toujours ouvert. Donc ce numéro-là, il est toujours non-stop. C'est comme ça qu'il dit, j'ai pris courage, je vais t'appeler. Parce que Vladimir m'a dit, à ce numéro, tu peux appeler. Et voilà que j'ai appelé, je vous ai eu aussi au téléphone.
J'ai dit, mon âme est dans la joie. Amen. Et à 3h du matin, j'envoie, à 3h, j'envoie le message à Frère Zaché. J'ai dit, mon précieux frère, demain matin, donc aujourd'hui matin, donc, nous avons donc un service de baptême. C'est un frère, il m'a appelé très tard, il a besoin et désire d'être baptisé. Vraiment. Et alors j'ai dit, quand tu auras ce message, sache qu'il faut appeler ton équipe pour que demain matin. À peine envoyé à mon frère Zaché à 3h, quelques minutes après, c'était le frère Zaché qui me répond. J'ai dit, mais il dort pas. Ce matin, il m'a témoigné, il dit, mais frère, j'ai dormi, mais à 2h passées comme ça, 40, quelque chose m'a réveillé. J'ai dit, mais Seigneur, tu m'as réveillé pourquoi? Et j'attends quelques minutes après. Je vois ton Dieu est au contrôle. Nous le remercions de tout notre cœur parce qu'il fait vraiment de l'amour. Avoir un tel empressement dans le cœur, ne pas savoir dormir jusqu'à vouloir être baptisé, même par un temps pareil, il faut vraiment prier pour ce Dieu. Que Dieu le bénisse richement. Nous allons prier pour lui. Amen. Précieux Sauveur, tu as vraiment merveilleux. Combien nos cœurs sont vraiment touchés pour voir ce que j'entends de nos frères dans les cœurs de tes enfants, de ce frère, de ce frère qui est notre soutien, Dieu. Et voilà, faire des morts de la terre, Seigneur, de nous. Envers, tu as pu vraiment les vivants, les choses qu'on peut faire, le même être élevé. Merci pour le Seigneur qui, ce matin, on travaillait pour se baptiser à ce moment pour que cela soit en nous possible, Père. Merci pour tous mes enfants. Merci encore, ma vision, tu continues encore à toucher le cœur, touche encore davantage le cœur, et que les âmes se donnent davantage à toi pour pouvoir être baptisé, Père, et vivre pour toi, pour les messieurs, pour leur vie, sans se changer, Père. Bénis mon frère, bénis ma soeur, mon Dieu, merci encore pour ce matin, Seigneur, de voir que tu agis encore puissamment, Seigneur, et que tu actives encore, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci d'avoir essayé de parler. Les anges ont sonné, les anges se réjouissent. Oh notre Dieu, nous te bénissons. Merci pour ta bonté. Quand tu fais encore grâce aujourd'hui, tu es encore sur le trône, Seigneur. Tu appelles encore. C'est pourquoi nous voulons te glorifier. Nous voulons te bénir. Parce que tu veux, Seigneur. Oh, que le dernier entre. Bénis ta parole, ouvre nos oreilles, nos cœurs, Seigneur. Nous abandonnons à toi, dans le précieux nom de Jésus. Merci. Amen. C'est merveilleux, c'est vrai. Il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur de s'y répondre. C'est merveilleux d'avoir un tel Dieu. Amen. Il montre effectivement aussi les temps dans lesquels nous sommes. Et que réellement, que bientôt. La trompette retentira. Prions que le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir tenir encore ferme, qu'il nous accorde la grâce de pouvoir réellement s'y tremper. Il nous aide, nous avons besoin de son aide et de son secours, parce qu'il a dit qu'il est un secours qui ne manque jamais autour de la détresse. Amen. Nous nous réjouissons de ce que nous avons aussi cet homme pour pouvoir écouter la parole de Dieu. Amen. Comme le Seigneur l'a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et la parole de Dieu est pour chacun de nous d'une importance plus que capitale pour nos âmes. Amen. Elle a plus de valeur que notre vie. Amen. Parce que c'est de là que vient effectivement la vie que nous avons aussi sur cette terre, parce que l'Écriture dit que toutes choses ont été créées par la parole. Amen. C'est pour ça, pour le croyant qui a trouvé grâce de pouvoir réellement recevoir aussi la révélation de l'importance de la parole de Dieu, parce que beaucoup tiennent cette Bible comme étant un livre et ils la lisent après avoir été dans les universités pour pouvoir y étudier, devenir, je ne sais pas moi si c'est des docteurs comme ils en sont, et aussi ainsi de suite. Mais nous, ce n'est pas avec ce genre de regard ou de pensée que nous tenons ce livre. Nous savons que ça, c'est un livre de vie. Amen. Et là, ce qu'il y a dedans, c'est vraiment pour notre vie. Amen. Et nous savons, c'est ce que le Seigneur dit dans les Saintes Écritures, que dans le rouleau du livre,
il est bien écrit de moi. Je suis venu au Dieu pour faire ta volonté. Et c'est cela que nous avons pu pouvoir comprendre l'importance de ces écritures que, au travers lesquelles nous avons réellement aussi la vie, parce que la Bible dit que dans cette parole se trouvait la vie. En elle était la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. Et à ceux qui l'ont reçu, donc nous voyons l'importance de cela, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné donc le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Et qui de l'autre, effectivement, qui sont vraiment nés de Dieu. Amen. On garde notre cœur se repose sur cela. Et aussi, nous comprenons pourquoi c'est tellement si important ce livre que nous avons, qui est donc la parole de Dieu, parce que dans cela, il y a effectivement des prédictions, des prophéties, effectivement, choses que Dieu a annoncées d'avance, effectivement, et qui doivent, effectivement, dans le cours du temps, réellement trouver leur accomplissement. Il n'y a aucun livre sur la terre qui va avoir une certitude, exactitude comme la Bible. Amen. Parce que là, nous avons affaire à Dieu lui-même, parce que ce que nous avons dans nos mains, c'est vraiment Dieu sous la forme écrite. Donc c'est cela en fait la Bible que nous tenons, c'est Dieu sous la forme écrite, effectivement. Donc nous comprenons l'importance de cela, qu'on ne peut pas la toucher n'importe comment, on ne peut pas la manipuler comme nous on veut, je veux dire de ceux qui en prennent effectivement pour interpréter sur leurs pensées, mais nous devons vraiment avoir beaucoup de considération et de respect à l'endroit des choses qui sont à la base même de notre existence, ce qui est la parole de Dieu, parce que le souffle de vie qui nous anime vient de la parole de Dieu. Donc tout ce qui me constitue, effectivement, vient de la parole de Dieu. Donc elle a la puissance de pouvoir faire en moi et de moi ce qu'elle veut. Donc c'est elle qui contrôle toutes choses, effectivement, parce que c'est Dieu. Et nous voulons réellement lui donner effectivement la place qu'il faut, parce qu'il a bien dit à Jérémie, que vois-tu donc, Jérémie? Il dit, je vois une branche dans ma vie. Il dit, tu as bien vu, parce que je veille sur ma parole pour l'exécuter. Combien nous devons avoir du respect, comme l'Écriture le dit, que toute la terre craigne l'Éternel. Amen. C'est vrai, non? Amen. Les habitants de la terre tremblent devant son nom parce qu'il dit que la chose arrive et lorsqu'il ordonne, elle existe. Amen. Nous, nous sommes de ceux-là qui réalisons l'importance d'avoir du respect pour Dieu, pour les choses qui les concernent, effectivement. Je veux voir, nous nous rassemblons, nous chantons, nous prions, effectivement, et nous donnons du temps à la parole de Dieu pour que le Seigneur puisse réellement nous parler, et toucher nos cœurs et pénétrer nos âmes, effectivement, pour que cette parole qui a la puissance de pouvoir transformer et qu'en entrant dans mon âme puisse réellement me transformer. Parce qu'il y a un jour qui est imparti à chacun de nous, parce que avant que nous venions dans ce monde, il avait donc un livre dans lequel tous les jours de notre vie étaient inscrits. Jusqu'à quel moment on devrait donc rentrer donc à la maison. Ça dépend maintenant de quelle maison vous allez rentrer. Parce qu'il y a deux chemins. Le chemin de la vie et le chemin de la perdition. Donc c'est maintenant que tu prends la décision pour savoir dans quelle maison tu vas aller lorsque tu vas quitter ici. Donc c'est cela, effectivement, la raison pour laquelle nous nous rassemblons aussi pour pouvoir... C'est pour ça que vous pouvez voir que et nos cœurs et nos âmes, quand ils se réjouissent, effectivement, pour tous ceux qui sont en connexion des différents pays, même qui vont recevoir, effectivement, aussi ces DVD partout dans différents endroits, nous disons cela pour qu'on comprenne, effectivement, pourquoi nous nous réjouissons, pourquoi nous chantons avec autant d'allégresse, pourquoi l'onction du Seigneur descend, parce que nous avons réalisé la grâce que nous avons trouvée aux yeux de ces dieux pour être appelés enfants de Dieu et être sauvés. C'est pourquoi nous ne prenons plus plaisir dans les chansons du monde, mais nous prenons plaisir maintenant dans les cantiques. Nous chantions comme je dis le monde, effectivement, pour le plaisir de notre chair, mais maintenant c'est notre âme qui se réjouit et qui fait bouger notre corps, parce que Dieu nous a sauvés. Alléluia. Comme on peut se faire appeler, Dieu va faire encore.
Amen, mon frère, il va faire encore. Alléluia. C'est sûr et certain, parce que ce qu'il va faire encore est plus grand qu'on peut l'imaginer. Alors nous ayant connaissance de cela, nous nous réjouissons et nous soupirons après lui pour qu'il puisse nous accorder la possibilité de ce que nous soyons réellement en conformité avec lui, pour que ce qu'il va faire encore, nous puissions être le bénéficiaire. Amen. Donc voilà pourquoi nous nous résistons, voilà pourquoi nous ne copions pas le monde, en fait. Non, nous ne copions pas le monde, effectivement, mais nous suivons simplement la conduite de l'Esprit de Dieu. Amen. Pour que nous puissions nous réjouir dans sa présence, sous son esprit, sous la conduite de son esprit, effectivement, afin que le cœur, l'âme et l'esprit puissent être aussi à l'harmonie pour se réjouir. C'est comme ça que nous sommes en bien-être, effectivement. D'abord par l'homme intérieur qui est l'homme spirituel. Il fait qu'effectivement, que quand l'homme intérieur, le cœur et l'âme, effectivement, sont en paix avec Dieu, tout en nous aussi est en paix. Même s'il y a des troubles dans le monde naturel, nous savons que nous sommes dans une autre dimension. Et que étant dans cette dimension-là, puisque nous avons la puissance et la force, tout ce qui est dans le naturel, effectivement, sera donc dominé. Amen. Pourquoi? Parce que quand Dieu nous a créés, il nous a donné le pouvoir de dominer sur toutes choses. Et Dieu te bénisse, ma sœur. Donc, quand nous remontons à cette dimension, effectivement, c'est pourquoi nous avons le désir que notre âme soit nourrie. Amen. Nous avons le désir qui, après, va être nourrie, de pouvoir lui dire merci au travers des chants et des cantiques, glorifiant son saint nom. C'est comme cela que nous voyons, effectivement, que au fur et à mesure que nous accrochons davantage, nous avons des témoignages. Amen. Chacun expérimente maintenant qu'avec mon Dieu, tout est possible. Amen. Nous sommes heureux. Nous sommes dans la joie de pouvoir réaliser que Dieu est vivant. Combien nous sommes un peuple qui se réjouit de savoir qu'il ne change pas. Amen. Et qu'il est vraiment le même Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. C'est vrai, quand nous pensons en parlant qu'il fait de merveilles, nous voyons combien le monde aujourd'hui va dans le sens où les gens peuvent vendre leur âme pour des choses inutiles. Et que bon, quand on disait, il n'y a plus de travail, les gens peuvent faire n'importe quoi, tremblant. Mais avec un fils de Dieu, alléluia, Dieu fait de merveilles. Nous réalisons, quand nous disons que quand on se confie en l'Éternel, il agira certainement. Il agit. Amen. Vous voyez les clac, et puis la main comme ça. Amen. Ça dépend pourquoi. Amen. C'est bien elle. Amen. Elle a terminé, vous avez oublié, non? Amen. Et voilà, elle devait chercher son emploi, non? Amen. Aujourd'hui, elle se trouve dans une situation particulière. Alléluia. Deux entreprises sont là. Amen. L'une a le contrat pour elle, Amen. L'autre a le contrat. Amen. On lui propose le contrat ici. Et elle dit, mais voilà, il y a ça, mais on a encore ces 6 CDD, on va me donner ces 10. Moi, j'ai dit, demande un CDI. Amen. On doit avoir un CDI. Mais si, les temps vont arriver. Alors maintenant, elle me dit, mais vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les deux entreprises sont là. J'ai maintenant deux contrats. Vraiment. Un CDI, un CDD. Alors Dieu est grand. Amen. Alors que nous sommes dans un temps où ce sont difficiles. Vraiment. Mais Dieu donne le travail. Amen. Donc, et là, le Seigneur a mis deux entreprises lesquelles, effectivement. Voyez, frères et sœurs, je veux que vous compreniez. Quand nous entendons la parole de Dieu, si nous croyons en Dieu, Dieu va faire de même. Le monde est en train d'aller dans ce sens, mais nous allons dans le sens que Dieu nous donne. Quand tu places Dieu à la première place, les autres choses viendront simplement se faire. Dieu va faire encore. Nous devons savoir que nous servons le Dieu vivant. Amen. Nous le supplions tous les jours pour qu'il nous pardonne, afin que nous soyons dans sa volonté parfaite. Amen. Afin qu'il trouve le moyen de pouvoir agir. Il veut agir dans un peuple. Amen. Frères et sœurs, les gens du dehors veulent voir Jésus-Christ. Amen. Mais il va le voir où? Mais il va le voir dans toi, mon frère. Amen. Dans toi, ma sœur. C'est pourquoi le Seigneur veut t'identifier en toi et qu'on entende des témoignages. Dis-moi, comme nous entendons, alors même les gens diront, mais c'est pas possible. Nous, on cherche du travail. Ça fait 3 ans, 4 ans, je l'ai retrouvé. Vraiment. Mais vous en avez même 2. Alors là, il y a quand même un Dieu. Alléluia. Alors, voyez-vous, c'est par notre marche, notre vie, effectivement, que les gens du monde pourront voir Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez, quand c'est comme ça pour notre soeur, c'est la joie de tout le monde. Alléluia. Parce que ce n'est pas seulement pour elle, mais c'est pour moi. Alléluia.
pour toi, pour moi, parce que c'est ma soeur. On dit Dieu va faire. Et s'il fait pour elle, tu seras parce que s'il a fait pour elle, c'est pour toi. C'est pour moi. Alléluia. Parce que son salaire, c'est mon salaire. C'est ton salaire. Je suis c'est vrai, hein? Bien sûr, parce que je renais dessus. Ce sont pas les deux sœurs. Quand Dieu donne à nos enfants, nous réjouissons, nous sentons que c'est à nous, effectivement. Que, alors là, je suis heureux. Notre Dieu est bon. Et il le fera pour chacun de nous. C'est sûr et certain, mon frère et soeur. Ce que vous avez comme désir, Dieu l'accomplira. Mais il dit d'abord que fais de lui tes délices, il te donnera certainement ce que ton cœur désire. Nous avons la grâce de pouvoir vivre dans un âge comme celui-ci, qui est un âge ténébré, mais où la lumière a tellement brillé pour que nous puissions voir d'une manière claire et ne pas marcher dans la confusion, mais servir le Dieu Tout-Puissant, le Dieu véritable, parce que nous avons été ramenés sur le fondement. Or, que sur lequel Pierre était, sur lequel Paul était, sur lequel Jean était, sur lequel tous les autres prophètes, effectivement, les apôtres étaient, effectivement, c'est sur ce fondement-là que nous avons été ramenés. Et nous voulons y rester, de tout notre cœur, malgré que les secousses peuvent venir pour pouvoir nous pousser loin de cela. Non, nous devons demeurer fondés et inébranlables dans la foi. Amen. Et c'est cela la grâce que Dieu nous a donnée, effectivement, que nous devons résister à Satan, Luc 31, nous devons résister à Satan d'une foi ferme. Amen. Et lui, il s'enfuira vraiment loin de nous. Amen. Luc 21, nous dirons cela parce que nous allons avoir le service de matin. Luc chapitre 21, nous pourrons lire à partir du verset. Vous voulez lire à partir du verset. Je vais quand même lire à partir du verset 20. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, et ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent. Et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Verset 24. Ils tomberont sous les tranchants de l'épée et seront amenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera donc foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit donc accompli. Il y aura des signes dans le sol, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec une puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Amen. Précieux Sauveur, nous voudrons te dire encore merci pour cette grâce que tu nous accordes dans le puissant pouvoir de nous faire dans ta maison, Père, et de voir et réaliser notre âme aussi les témoignages de ce que toi tu fais, Seigneur, en ce temps. Ton amour et ta bonté, ta miséricorde nous soient, que tu ne cesses de pouvoir aimer aussi, manifester en notre endroit. Oh, merci, Père, au travers de son infantile, tu nous as bénis, Père. Nous sommes aussi, Père, combien nous aimons cette somme solide d'un Père. Combien nos cœurs se réjouissent quand nous pouvons entendre un homme aimer Dieu comme cela, un homme aimer la parole de Dieu comme cela. Car les surtout en tant que bien jeune homme, vous l'aimez, Seigneur. Oh, Dieu du ciel, viens-nous d'être paix. Merci encore pour ce matin, Seigneur, que nous libère. Oh Dieu, pour cette âme, je mets encore à toi. Pour les frères et sœurs qui sont aussi ici,
Oh Dieu, qui sont aussi en connexion encore ce matin, dans les travaux, qui sont en béni, Père. Aide-nous encore. J'ai besoin de toi encore ce matin. Parce que c'est vraiment ta parole à laquelle nous approchons, Père Saint. Nous avons vraiment aussi la crainte pour toi. Je te demande pardon pour ton Père. Ta miséricorde et ta grâce, ta miséricorde à mon endroit et ta beauté, Père, pour que Seigneur, nous puissions trouver grâce devant toi, pour que ton ange, là, mon Père Dieu, au Seigneur, mon Père Dieu, agir afin que ta parole puisse pénétrer encore nos cœurs, Père. Merci pour sa présence glorieuse. Merci encore pour ton pardon, ton soutien, ton secours. Merci pour cet amour que tu nous témoignes encore. C'est ce matin, car nous t'avons aussi prié. Au nom du Seigneur Jésus Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous l'avons, nous lisons, et comme nous l'avons aussi écouté, c'est bien le Seigneur lui-même qui parlait effectivement et montrait effectivement à ses disciples ce qui allait se passer, puisque il y avait donc cet énorme de questions qu'on posait donc au Seigneur, par les disciples, et il répondait, et puis nous plaçons maintenant les choses comme vous pouvez voir que quand le Seigneur parle, il peut parler aussi de plusieurs événements dans une parole, mais quand le Saint-Esprit maintenant vient, il nous montre effectivement que ceci c'est en rapport avec ça, ceci est en rapport avec ceci, il est Dieu, et c'est sa façon de pouvoir parler, et aussi à lui-même aussi, après de pouvoir nous montrer les choses, comment elles doivent être placées. Alors, nous l'avons entendu effectivement, comme il a décrit effectivement les choses, montrant l'événement, et puis parlant effectivement aussi de la suite effectivement de la situation concernant aussi Israël effectivement, et surtout Jérusalem, comme il en a parlé effectivement, et comme il a dit, ici, Jérusalem sera donc foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit donc accompli. Et ça, c'est ce que le Seigneur a eu à pouvoir dire à rien et aucun homme, aucun prédicateur, aucun prophète, aucun apôtre, personne d'ailleurs ne peut changer cela. Ni le temps, ni les circonstances, ni même les événements pour voir venir, rien ne peut changer ce que le Seigneur a annoncé donc d'avance qui doit réellement prendre place. C'est pourquoi donc, nous devons être de ceux-là qui sont informés par le Seigneur de choses qu'il a annoncées de manière à ce que nous puissions observer ces choses comme l'apôtre Pierre pouvait le dire effectivement en disant « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lumière qui brille dans un lieu obscur, effectivement. » Donc effectivement, nous observons avec beaucoup d'attention effectivement ce que le Seigneur a eu à pouvoir dire. Pourquoi? Parce que les paroles qui ont été prononcées, effectivement, auront certainement leur accomplissement. Donc ce que le Seigneur a eu à pouvoir dire, certainement, cela va s'accomplir. Donc, Jérusalem doit être foulée aux pieds. Et si vous regardez quand même, même si vous êtes des aveugles, vous êtes quand même détruits des gens qui entendent, d'une certaine manière ou d'une autre, mais jusqu'aujourd'hui, nous savons que Jérusalem a un problème. Même si on ne croit pas, il a annoncé. Il l'avait annoncé cela. Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Aujourd'hui, les Juifs n'ont pas le droit, effectivement. Ben, c'est vrai, ils sont, mais ce n'est pas la capitale d'Israël. C'est comme ça, parce que les nations ne veulent pas que Jérusalem soit considérée comme étant la capitale, c'était la ville, en fait. La capitale d'Israël. Et c'est une capitale maintenant pour les Arabes, surtout effectivement pour le Canada, pour une zone effectivement internationale, décrétée ainsi par l'ONU, effectivement, où tout le monde peut arriver à pouvoir aller là-bas. Est-ce des mots, des informations, vous les avez, effectivement, les journaux, vous pouvez les voir, effectivement. C'est cela le statut, effectivement, de Jérusalem aujourd'hui. Le Seigneur l'avait dit. Donc Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Jusqu'à ce que
le temps des nations soit donc accompli. Donc, c'est un temps qui a été donc déterminé pendant lequel, effectivement, ben, les nations auront le dessus, effectivement, là-dessus, vous savez. Et puis, les temps où ils ont eu à pouvoir agir à l'endroit de celui que Dieu leur avait envoyé. C'est pour ça, c'est vraiment très grave lorsque vous avez la visitation du Seigneur qui est une grâce pour chaque personne, effectivement, mais que vous méconnaissez cette visitation et que vous méprisez effectivement cela. Vous savez, les conséquences, peut-être dans l'immédiat, vous ne pouvez pas le voir, le demain, vous ne pouvez pas le voir, après demain, vous ne pouvez pas le voir, mais certainement, les conséquences, vous allez les suivre. Et pourquoi nous devons être très attentifs, aussi prudents dans les choses, quand on est en rapport avec les choses qui sont des dieux. Si je ne comprends pas, je ne dis rien. Parce que je risque de manquer de respect aux choses des dieux. Parce que eux, ils avaient là cet homme que vous connaissez aussi bien que nous aimons effectivement. Il ne réalisait pas que c'était réellement lui, le Messie, la source de vie, Dieu dans la forme d'un homme, effectivement. Ils l'ont méprisé, ils ont craché dessus sur lui. C'est quand même douloureux et triste, effectivement. Et de voir que la Bible dit même clairement que il est venu chez les siens. Donc il est venu dans la maison de ses frères. Donc quand ils le verront, ils pleureront maintenant. Mais d'où viennent ces blessures que tu as, toi? C'est pas possible. Dans la carrière, non? Amen. Il dit, mais c'est dans la maison de mes frères. Mm. Là, chez vous. Mais qui t'a fait ça? Mais c'était pas quelqu'un d'autre. C'était pas des étrangers. C'est vous. C'est vous. Ils pleureront amèrement. Ils vont se lamenter. Ce sera des douleurs du cœur, des larmes, effectivement, et des tristesses, effectivement, parce que ils se rendront compte de ça. Donc, il y a donc un temps pendant lequel Jérusalem sera donc entre les mains des nations, pour que les nations puissent fouler aux pieds et faire ce qu'il a. Pourquoi cela, effectivement? Parce que Dieu ne traite pas avec Israël pour le moment, et Dieu traite avec les nations. C'est vrai. Dieu d'Israël traite maintenant avec les nations. Alors quand on dit que Dieu traite avec les nations, qu'est-ce que cela veut dire, effectivement? Parce que il a été rejeté là-bas, à Lécia. Il dit, mais je me suis laissé trouver par un peuple qui ne me cherchait pas. Amen. J'ai appelé les bien-aimés, celles qui n'étaient pas. Alléluia. C'est merveilleux, ça. Je me suis laissé trouver. Cherchez donc l'Éternel pendant qu'il se trouve. Ah oui, monsieur. Oui, madame. Donc, c'est vraiment le temps favorable. Parce que quand on dit que Dieu est bon, il est vraiment bon. Et sa bonté dépasse la bonté d'un homme comme moi. Parce que si je peux être un petit peu bon, c'est parce qu'il y a la bonté de Dieu dans l'homme. C'est ça qui fait que l'homme devient bon à cause de la bonté de Dieu. Donc Dieu est un Dieu qui est vraiment amour. Il aime. C'est cela que nous devons comprendre et savoir effectivement. Donc, c'est tourné vers les nations. Ce n'était pas pour les nations. Parce que au milieu des nations, il y avait un peuple qui lui appartenait. Car Dieu a jeté le regard parmi les nations pour choisir du milieu de nations un peuple qui porte son nom. Voilà l'objectif pour lequel Dieu s'est tourné vers les nations. Pour réellement chercher un peuple qui lui appartient. J'ai reçu une question. Je pense que là, Dieu voulant, je pourrai répondre. Il y en a tellement qui viennent, effectivement. C'est notre sœur aimée qui dit, dites-moi, j'ai une question concernant les Juifs. Est-ce possible que certains d'entre eux, en ce temps de la fin, puissent participer à l'enlèvement? Après tout, mais la parole que nous recevons, nous, épouses de nation, c'est la même que certains Juifs avaient acceptée de la part des apôtres, non? La question d'eux.
Donc ma question est celle-ci, les Juifs ont-ils accès à l'enlèvement? Ceci ne serait donc pas du nombre de 144 000 alors? Merci d'avance pour la réponse. Non. J'avais des questions qui sont ici, comme je dis. Et ici, il fallait prendre peut-être un jour ou deux pour pouvoir répondre aux questions de cela. Bon, c'est parce que j'ai lu cette question qui m'a été envoyée ce matin. Il dit que si Dieu le permet, je dois peut-être le répondre. Alors, voyez bien que là, les Saintes Écritures nous montrent effectivement, comme le Seigneur l'avait dit, il avait donc dit effectivement ces choses. Et alors, nous remarquons que la chose s'est passée comme cela. Pendant que les apôtres ont marché et allaient, évidemment, Pierre a parlé et puis James a repris, comme Jacques a repris, effectivement, comme pour pouvoir montrer effectivement ce que l'Esprit disait effectivement au travers de Pierre en rapport avec ce qu'il avait dit, vous vous souvenez, non? Donc, effectivement. Alors, nous remarquons qu'il y a donc un temps. Et voilà que le Seigneur ici nous dit, verset 22, verset, pardon, de Luc que nous avons lu, il dit, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Vous vous souvenez que nous avons lu dimanche passé, je pense, dans le livre des Actes, chapitre 2. Amen. Vous vous souvenez encore? Amen. Quand, je pense que c'était dimanche passé, quand Pierre s'est levé et qu'il a dit que ces hommes ne sont pas ivres, vous vous souvenez? Amen. Vous vous souvenez encore? Amen. Il dit, c'est ici effectivement l'accomplissement de ce qui a été dit dans Joël. Dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vous vous souvenez? Amen. Et vous vous souvenez encore de ce qu'il a eu à pouvoir dire, Actes chapitre 2, juste qu'on va mentionner, lire. Parce que nous lisons ce que le Seigneur dit. Actes chapitre 2, verset 18, il dit, oui, sur mes servantes et sur les serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Le Seigneur dit, mais je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du feu, pardon, du sang, du feu et une vapeur de fumée, ça va, le soleil s'échangeant en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque évoquera le Seigneur sera donc sauvé. Amen. Amen. Alors ici, effectivement, il nous dit au verset Luc que nous avons lu tout à l'heure, verset 25, il dit, il y aura donc des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse et des nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer, des flots, des hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Donc là, le Maître, notre Seigneur Jésus-Christ, quand il dit une chose, la chose doit certainement s'est passé comme il a dit, et ça va arriver exactement comme il a dit. Amen. Alors il montre effectivement comment les choses seront. À moins qu'on ne soit pas quelqu'un qui soit ne fût-ce qu'un tout petit peu quand même intelligent. Parce que là, c'est quand même dit clairement qu'effectivement, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations. Et qui ne seront que faire au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Mais c'est ce que, dans les scènes d'écriture, l'apôtre Pierre nous dit. Dans le livre de 2 Pierre, je pense, au chapitre 8, là, on va peut-être mentionner la fois passée, 2 Pierre, au chapitre 8. Oh, chapitre 3, pardon. Et puis, chapitre 3. Nous lirons à partir du verset. Verset 5. Non, verset 4, il dit.
Et ils disent, où est la promesse de son avènement, car depuis que le Père sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer le fait que les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, les mondes d'alors périssent, submergés par l'eau, mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés, réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Amen. Le verset 10, il dit, alors le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En six jours, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés s'y dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera donc consumée. Amen. Alors, nous réalisons qu'effectivement que les puissants des cieux seront donc secoués et branlés comme l'Écriture le dit. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance, et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Donc, ça veut dire que votre rédemption, la rédemption approche. Et le Seigneur dit, mais et quand toutes ces choses commenceront à arriver, vous voyez très bien, il a dit des choses, effectivement, qui sont compilées dans beaucoup de choses, qui, d'une certaine manière, ont leur place, effectivement, pour qu'elles soient placées, afin que les tableaux soient clairs, pour que nous comprenions la succession des événements. Il a dit tout en globalité. Et il y a une succession d'événements, effectivement, que c'est ici et là-bas, c'est ici et par ici, ainsi de suite. Alors, il dit, mais quand toutes ces choses commenceront à arriver, redressez-vous donc, élevez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Alors, maintenant, la question est celle-ci, effectivement. Quelles sont donc ces choses dont le Seigneur parle, effectivement, qui doivent commencer à arriver? Parce que quand toutes ces choses commenceront à arriver, il faut que tu sois quand même au courant de ces choses, que tu sois quand même averti, pour que tu saches effectivement que... Parce que, vous vous souvenez dans les Saintes Écritures, lorsque les sacrificateurs ont envoyé effectivement des Lévites vers cet homme qui est baptisé dans le désert, effectivement là, au Jourdain, pour lui poser la question, dans Jean au chapitre 1. Je voudrais le lire pour que ceux qui nous écoutent puissent avoir au moins une référence. Jean chapitre 1. Lisons verset 19. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs de Jérusalem, lorsqu'il envoyait les Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander toi qui es-tu. Amen. Donc, effectivement, il était là de l'autre côté, faisant ce que Dieu l'avait envoyé de pouvoir faire, et ça faisait que ça secouait les gens. Donc, là, à Jérusalem, ils ont envoyé des Lévites, des sacrificateurs, effectivement, tout cela, pour aller lui poser la question en disant, mais pourquoi fais-tu ces choses, évidemment? Qui es-tu en réalité? Tu voyais bien, lors des questions qui lui ont été posées, je relis encore, verset 20, il dit, il déclara et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Alors, et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu donc le prophète? Et il répondit, non. Et lui dire alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Quel es-tu de toi-même? Donc, effectivement, ces hommes étaient secoués à voir effectivement ce qui s'est passé avec ce bonhomme-là qui était Jean le Baptiste, qui était habillé en poil de chameau, qui mangeait les sauterelles, effectivement, mais il prêchait effectivement la repentance, effectivement, et qui baptisait pour la repentance en vue de celui qui devait venir, effectivement. Et ils sont venus parce qu'il y a quelque chose qui les travaillait. Pourquoi? Parce que dans les Saintes Écritures, ils avaient appris, puisque
ils lisaient les Saintes Écritures et ils avaient les docteurs, tout cela effectivement, qu'ils avaient annoncé, et même tous ceux qui étaient avant ont annoncé cela. Parce que dans les Saintes Écritures, ils parlaient effectivement que voici donc, j'envoie mon messager devant toi pour préparer donc le chemin, n'est-ce pas? Ils savaient qu'effectivement, que avant que le Messie entre en scène, il ne peut pas entrer en scène comme ça sans que d'abord ce messager soit envoyé. Il fallait qu'il soit envoyé. Pendant qu'ils étaient dans leur tête, dans leur organisation, dans leur façon de voir, penser, faire les choses, effectivement, dans leur programme, parce que c'est comme ça que sur les églises aujourd'hui, ils sont pleins dans leur programme, l'homme pense que l'on doit faire, comment on doit faire ça, ainsi de penser, effectivement. Pendant qu'ils étaient dans leur programme, Dieu était dans son programme. Amen. Ah oui, ils attendaient effectivement sur le programme que oui, quand ça va se passer, on va nous avertir, nous, on va nous le dire effectivement. Mais vous êtes tellement plein dans votre programme, en dehors du programme de Dieu, comment voulez-vous que Dieu vous avertisse? Amen. Pour que vous soyez avertis, sortez de votre programme, entrez dans le programme de Dieu. Amen. Pendant qu'ils étaient dans leur programme, effectivement, là-bas, parce qu'ils se disaient que nous croyons en Dieu, nous sommes ici, procédés d'Abraham, effectivement. Mais ce n'est pas question de citer procédés d'Abraham, effectivement. Il faut avoir la foi d'Abraham. Amen. Pour être la postérité, tous ne le sont pas, n'est-ce pas vrai? Okay. Alors, nous voyons que le programme de Dieu était que l'ange Gabriel vint vers Zacharie alors qu'il offrait effectivement le parfum, entendre la prière dans l'hôtel, effectivement, le parfum où il était, comment il était effectivement le temple, vous vous souvenez, et l'ange était là, et puis il lui a parlé. Et l'ange lui a parlé clairement, effectivement, de quoi lui a-t-il dit, je pense, Luc chapitre 1, lisons rapidement cela, que nous retrouvons vite, Luc chapitre 1. Luc au chapitre 1. Et disons, verset. Verset 13, il dit, mais l'ange lui dit, n'écoute point Zacharie, car ta prière a été exaucée et ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante et il sera rempli de l'Esprit Saint, de l'essence de sa mère. Il ramènera plusieurs le fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur de père vers les enfants et le rebelle à la sagesse du juste afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen. Amen. Donc, c'est cela ce que les Saintes Écritures avaient donc annoncé et que le Seigneur envoya donc l'ange Gabriel vers effectivement ce homme, effectivement, ce sacrificateur Zacharie, et qui, comme vous le savez, Zacharie n'a pas cru, donc il est resté donc muet jusqu'à la naissance effectivement du Jean. Donc les gens ne comprenaient pas qu'il était devenu, mais qu'est-ce qui se passe effectivement? Eh bien, pourquoi il ne parle pas, il ne savait pas parler, mais sa femme, effectivement, et donc tombée donc enceinte, et c'est là qu'elle vivait effectivement, et comme elle était aussi avancée, aussi en âge, eh bien, je pense qu'elle ne voulait pas probablement que les gens la voient dans cet état, elle était un peu, mais elle était un peu trop discrète, et cela faisait plus ou moins pendant 6 mois que le bébé était donc dans les seins de sa mère. Donc là, c'était d'abord Jean Baptiste, effectivement, dont il était question, donc on a eu à pouvoir annoncer, et qu'effectivement, dans les ventres de sa maman, évidemment, vous comprenez bien que comme le Seigneur avait dit à Zacharie, effectivement, Zacharie, il a été rajeuni comme Abraham a été aussi rajeuni. Vous vous souvenez? Parce qu'il fallait qu'il soit quand même fort. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Bien sûr qu'Abraham a été rajeuni aussi, et Zacharie aussi, et puis bon, ben, Élisabeth aussi, Dieu a restauré. Vous avez compris? Amen. C'est comme ça que naquit effectivement le bébé dans le ventre de la maman, effectivement que le bébé a commencé à pouvoir, pour 6 mois,
arrivé au sixième mois, la Bible nous dit toujours que l'ange Gabriel, pendant que les églises, effectivement, étaient dans leur programme, Dieu était dans son programme. Amen. C'est pourquoi vous devez vraiment faire très attention, frère. Ce ne sont pas toutes ces choses que vous voyez qui sont frappantes, effectivement, des grands édifices que Dieu est dans. Dieu n'est pas dans ces choses. Amen. Les hommes ont leur grand programme qu'ils font. Dieu est en dehors du programme de ces gens-là. Oui. C'est pourquoi on a parlé de sautons hors du camp. Amen. Donc nous devons être en dehors des camps des hommes. Amen. Pour aller vers le Seigneur et porter sur nos pauvres. Oui, messieurs. Et c'est comme cela que il alla vers Marie, effectivement, pour lui annoncer, effectivement, ce qu'il en est donc. Alors, pendant ce temps-là, même dans le temple, effectivement, et cela partout, personne. Alors que c'était des gens qui étaient censés pouvoir conduire le peuple de Dieu, pour pouvoir recevoir celui qui allait venir, effectivement, parce qu'il ne vivait que pour la venue du Messie. Il savait qu'il allait venir. Mais ils étaient tellement dans leur programme que nous sommes aussi orgueilleux que nous sommes la possédée d'Abraham, effectivement, méprisant les autres, effectivement. Sinon que nous connaissons, nous savons, si Dieu doit venir, effectivement, c'est chez nous, il doit venir, effectivement, plein d'orgueil, plein de connaissances, des docteurs. C'est comme ça qu'ils étaient. Pendant qu'ils étaient tellement plein d'orgueil avec leur Moïse, nous a dit tout ça, Dieu ne s'occupait pas d'eux, effectivement, il s'occupait de son programme. Amen. Ils étaient en dehors du programme de Dieu. Et voilà que Dieu faisant son programme, ils n'en savaient absolument rien. Jusqu'à ce que même, mon frère, ma soeur, que Jean-Baptiste est né, il a grandi, effectivement, jusqu'à ce qu'il devienne un homme pour prêcher la parole de Dieu. Il n'était pas au courant. Vous direz, mes frères, qu'est-ce que vous avez fait? Mais bien, mes frères et soeurs, je vais vous faire comprendre une chose. Jean-Baptiste est né. De l'autre côté aussi, après Jean-Baptiste, il y a un autre enfant qui est né. On leur dit, tu donneras le nom de Jésus, n'est-ce pas vrai? Oui. Dans leur programme, ils n'étaient pas au courant. Mais continue. J'ai dit que jusqu'à ce que Jean-Baptiste soit grandi, il n'était même pas au courant de ce que Dieu faisait. Je veux dire, mes frères, qu'est-ce que vous pouvez faire? Effectivement, ce que Dieu pouvait la faire, vous pouvez comme attendre jusqu'à. C'est moi qui suis en train de se faire. Non, maintenant je vais vous poser la question. Siméon, avait-il attendu que Christ puisse grandir? Non. Étant bébé, Dieu lui a révélé Amen. Le programme qu'il avait et qu'il devait faire. Amen. C'est comme cela qu'effectivement, que là, le Seigneur lui dit, mais il le conduit effectivement dans cela pour qu'il y aille et qu'il voie effectivement. Et c'est comme ça qu'il a pris ce bébé entre ses mains. Vous souvenez? Donc ainsi aussi, nous comprenons que quand nous sommes dans le programme de Dieu, effectivement, alors Dieu nous parle, Dieu nous montre effectivement les choses qu'il fait, pour que, étant dans son programme, effectivement, nous avancions avec lui jusqu'à ce que la manifestation puissante puisse que nous puissions aussi en prendre aussi par la salle. Ainsi donc, quand ils sont arrivés donc vers Jean-Baptiste, ils lui ont donc posé la question de pouvoir savoir, es-tu, dis-nous effectivement, qui es-tu? Vous vous souvenez? Alors, il savait, il avait bien compris la question qu'ils avaient posée. Et puis il leur dit, mais je ne suis pas le Christ. Et puis il dit, alors, si tu n'es pas le Christ, alors dis-nous, es-tu donc Élie? Ce qui veut dire que quand même, ils avaient quand même lu dans les Saintes Écritures que Dieu, avant que le Messie n'entre en scène, il allait faire quelque chose. Et en rapport avec Élie, puisqu'Élie était lié là-dedans. Tu sais, c'est que. Regardez bien. Je veux que vous puissiez toujours avoir un bon esprit quand vous écoutez, frère. Amen. Amen. Que vous puissiez bien comprendre les choses parce que ce sont les choses bibliques. Amen. Quand vous regardez très bien, frères et sœurs, ils ont posé la question à savoir, es-tu Élie? Vous vous souvenez? Parce que dans les Saintes Écritures, que ce soit au temps où Jean-Baptiste devait venir, que ce soit dans le temps dans lequel aussi nous sommes pour la seconde venue de Christ, vous devez bien prêter attention. Quand vous lisez dans Malachie au chapitre 4, regardez très bien ce que l'Écriture nous montre à nous tous.
C'était l'écriture Malachie, je pense. Chapitre 4, c'est ça. Malachie 4. Verset 5 qui dit. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il leur ramènera le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'Acadie. Et ça, ça va peut-être vous choquer en fait. William Marion Branham n'est pas allé. William Mario Branham, prophète de cet âge, n'est pas Élie. Il ne peut pas être Élie. Quand on a posé la question à Jean-Baptiste, es-tu Élie? Il était quand même prophète. Non? Est-ce que vous suivez? Amen. Je veux, comme je vous demandais, que vous soyez dans de bonnes dispositions d'esprit. Amen. Nous devons être des hommes et des femmes scripturelles. Amen. Des gens et des hommes qui sont fondés sur les saintes écritures. Amen. Et notre absolu, c'est la parole de Dieu. Amen. Le Seigneur a dit que tout homme, y compris moi, sera connu pour menteur. Amen. Amen. Dieu seul sera connu pour menteur. Amen. Celui qui est vrai, c'est la parole de Dieu. Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. Alors, on a bien posé la question à Jean. Es-tu donc Élie? Qu'est-ce qu'il a répondu? Non, je ne le suis pas. Est-ce qu'il a menti? Non. Non, monsieur. Jean le Baptiste n'a pas menti. Et pourtant, Dieu avait dit, je vous enverrai. Écoutez bien. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Est-ce que vous suivez? Amen. Il est entré en scène. On lui pose la question, es-tu Élie? Il dit non. C'était un prophète, il ne faut pas mentir. Il dit non, je ne suis pas, je ne le suis pas. Donc, si maintenant nous faisons donc le rapport entre le verset et le cœur des enfants leur père en disant qu'il s'agit de frère Branham, effectivement, alors nous disons qu'effectivement que William Branham n'était pas Élie. Alors, regarde, c'est la Bible, non? Amen. William Branham n'était pas Élie. Amen. Mais, ça, je sais que ça choque, ça bouge, ça fait dire, qu'est-ce que ce frère a à voir toujours? Je ne sais pas, vous savez. Mais c'est la Bible. Amen. Vous voyez, non? Amen. William Marion Branham n'était pas Élie. Amen. Jean-Baptiste non plus n'était pas Élie. Amen. Et là que vous comprenez ces choses parce qu'elles sont nécessaires. Alors, si vous écoutez très bien la parole de Dieu, vous verrez qu'en fait, que c'est pour ça que le Seigneur a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je vous enverrai le consolateur. Amen. L'esprit de vérité qui vous connaît dans toute la réalité. Amen. Mon frère et ma soeur, quand vous prêchez la parole de Dieu sans l'esprit de Dieu, vous conduirez toujours les gens dans l'erreur. Parce que l'esprit humain va comprendre les choses d'une manière aussi humaine. Amen. Il faut que pour que tu prêches la parole de Dieu, que tu aies vraiment la puissance de cet esprit en toi, Amen. Pour que le Seigneur te conduise. Amen. Regardez la preuve, monsieur. C'était écrit bien Élie, n'est-ce pas? Amen. Mais quand l'ange est venu vers Zacharie, Amen. Qu'est-ce qu'il a dit spécifiquement à Zacharie en rapport avec Jean-Baptiste? Amen. Regardez. Amen. Luc au chapitre 1. Lisons avec vous. Au verset 13. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et lui donnera le nom de Jean. N'est-ce pas? Amen. Vous avez entendu ça? Amen. C'est Dieu qui a dit, non? Amen. Le nom de Jean. Et il sera pour toi un sujet de joie.
et l'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Je vais encore relire bien, vous avez entendu? Amen. Il dit, mais l'ange lui dit, ne crains rien, ne crains point, Zacharie, car ta prière est exaucée, ta femme Élisabeth enfantera un fils. Tu vas donner quel nom? Jean. Tu donneras le nom de Jean. Merci beaucoup. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Vous avez entendu ça? Amen. Dieu est toujours clair. Hein? Amen. Verset 15, il dit, car il sera grand, vous suivez? Amen. Devant qui? Devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint, de le Saint de sa mère. Amen. Verset 16, il le ramènera plusieurs de fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il marchera devant Dieu. De quelle manière? Avec l'esprit et la puissance de l'île. Amen. Alléluia. Avec l'esprit et la puissance de l'île. Amen. Alléluia. Amen. Parce que dans la Bible, il n'y a eu qu'un seul Élie. Amen. 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 Ne me détestez pas, frère. C'est la Bible. Amen. C'est aussi clair. Amen. Donc quoi? Il faut que Dieu nous ouvre les yeux. Amen. On a tellement abandonné, on entend, on parle pas. Non, monsieur, il faut que je voie. Amen. Je dois voir ce que les saintes écritures disent. Amen. Donc il faut qu'on enlève ce pan-là sous les yeux. En fait, il est venu pour que nous puissions voir, monsieur. Amen. Et les saintes écritures nous montrent effectivement qu'en est-il. Il a bien dit qu'il a son nom à lui, c'est Jean. Amen. C'est vrai? Il ne s'appelle pas Élie. Non. Non, car il y a un seul Élie. Et c'est lui, on le connaît. Amen. Dans l'Ancien Testament, monsieur. Amen. Élie, les Tishbites, les Tishbites. Amen. Amen. Je sais que ça vous fait mal, vous qui allez tellement. Vous êtes en train de voir les frères, mes frères, c'est la Bible. Amen. Dieu est en train de pouvoir nous amener dans le ciel. Amen. Nous détacher de tous les systèmes des hommes. Amen. Mais il le fait tellement simple que vous ne le voyez pas. Amen. Ne combattez pas la parole parce que vous ne recevez pas. Amen. Élie, le Tishbite. Pourquoi est-ce qu'il est parlé d'Élie dans les Saintes Écritures? Parce que si vous, comme nous l'entendons, regardez bien, Jean-Baptiste, le Seigneur Jésus-Christ a dit de lui que de tous les hommes qui ont paru sur la terre, il n'y a pas eu de plus grand que Jean, monsieur. Amen. C'est vrai. Je sais ce que le Seigneur a dit de Jean, mais je vais y arriver. Soyez le Seigneur a dit, je sais bien, ça passe par les pensées. Par les pensées, Jésus dit, soyez humbles. Amen. Écoutez seulement la parole de Dieu. Amen. Parce que quand l'Esprit de Dieu nous parle par la parole, il connaît l'Écriture. Amen. Il sait ce que le Maître a dit de Jean-Baptiste. Amen. Alors soyez patients. Donc il dit, tous les hommes qui sont là, il n'y a pas eu de plus gros que Jean. Et là, regardez bien, effectivement, que c'est ça, ces gens-là, donc Jean le Baptiste, on va lui poser la question. D'une manière aussi claire, dit, mais es-tu donc Élie? Ce qu'ils ont demandé, non? Pourtant, pourquoi ils ont posé la question? Parce que l'Écriture disait très bien, je vous enverrai Élie le problème. Et aussi, ils sont venus pour lui poser la question. Es-tu donc Élie? J'aime les hommes de Dieu, frère. Amen. Il a répondu clairement en disant, non, non monsieur, je ne le suis pas. Si Jean-Baptiste a dit que je ne le suis pas, il n'a pas menti. Amen. Donc ce qu'il a dit est vraiment vrai. Amen. Parce que quand on lui a posé la question, alors, es-tu le prophète? Il a dit, non, je ne le suis pas non plus. Alléluia. Mm-hmm. Aïe. Amen. J'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Amen. 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 Si tu n'es pas Élie, tu n'es pas le Christ, tu n'es pas le prophète. Alors dis-nous qui tu es. Amen. Vous voyez, frères et sœurs, Jean a réellement montré qu'il n'était ni Élie,
Il est Christ, il est prophète, mais il avait un ministère qui était à lui. Quel était ce ministère? Je suis la voix de celui qui crie. Comme a dit Esaïe le prophète. Quand on m'a dit Élie, non, Esaïe le prophète. Donc dans ce ministère-là, maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Mais Dieu va utiliser aussi l'esprit d'Élie. Amen. Oui, monsieur. Oui, madame. Qu'est-ce que William Branham était? C'était un prophète de Dieu. Amen. C'est pour ça. C'est toujours il y a pour venir. Vous savez, qu'est-ce que les gens disent? Oui, mais toi, tu es toujours là. Pas toujours, Branham a dit. Mais tu dis toujours, mais tu dis aussi. Apôtre Paul dit, apôtre Pierre dit. C'est pour ça qu'on va dire. Parce qu'ils sont des apôtres, sanctifiés de Dieu. William Branham, c'est un prophète. Donc, on peut dire aussi, les prophètes a dit. Le prophète a dit, donc, c'est confort. S'il vous plaît, écoutez. Alors, j'ai dit, mais merci. Mais je vais vous poser la question. Quand vous vous tenez, quand je me tiens, nous prêchons quoi? La parole de Dieu. Amen. Où se trouve la parole de Dieu? Donc, je précise dans la Bible, non? Amen. Paul, c'est pas écrit ici. Amen. Pierre, c'est pas écrit ici. Jean, son nom n'est pas écrit ici. Amen. Alors, William Branham est écrit où? Gloire à Dieu. Non, mais c'est vrai, vous me détestez pour ça. Je dis, mais William, le nom de William Branham est écrit où? Quand on a parlé d'Élie, c'était pas le nom de Jean-Baptiste. Non. Je vous enverrai Jean-Baptiste. Non. Élie le prophète. Amen. Donc si aujourd'hui je parle de Jean-Baptiste, c'est parce que dans la Bible, l'ange a dit on l'appellera Jean. Amen. Amen. C'est vrai ou pas? Amen. Et voilà. Nous devons donner la gloire à Dieu pour ce qu'il fait. Amen. Mais qu'aucun homme ne puisse prendre la place de Dieu pour être glorifié. Oh, messieurs, et comme nous pouvons le voir, effectivement, le Seigneur en avait avec Élie, le prophète, le Tishbite, et le Seigneur a eu à pouvoir utiliser effectivement cet homme-là d'une manière particulière. Vous devez comprendre pourquoi est-ce qu'on se réfère à Élie. Parce que de tous les prophètes qui étaient là, cet homme-là, il a été le seul qui soit resté dans les saintes écritures. Qui est le seul qui avait la parole de Dieu, mais qui était donc combattu aussi par tous ces prophètes, qui étaient 800, 400 d'Astarté, 400 de Baal, aussi nombreux, et puis le peuple aussi était avec les autres prophètes, et le roi et tous, effectivement, étaient contre lui en réalité. Ils cherchaient aussi à pouvoir lui ôter la vie. Mais cet homme pleurait à Dieu, et dit, ils ont tué tous tes prophètes, je suis resté ainsi seul. C'est la réponse que je lui donne. Et alors, voilà que il dit à Akab et puis à tous les enfants d'Israël, et avec leurs prophètes à eux, de pouvoir venir. Ils étaient nombreux, vous savez, 800 d'abord, prophètes, et puis avec tout le peuple derrière eux, et puis toi, un seul. Vous voyez un peu les tableaux? Tout le pays est contre toi et tous les prédicateurs sont tous contre toi. Il est normal que les gens ne puissent même plus vouloir t'approcher à cause de l'influence de la langue. Et malgré cela, cet homme ici n'a pas abandonné sa fermeté dans les choses de Dieu. Il est resté aussi ferme parce que Dieu était avec lui. Amen. Il leur a dit, bon maintenant, vous avez vos les prophètes de Balastarté, vous êtes tellement si nombreux, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés?
Si c'est Baal qui est Dieu, allez à Baal. Amen. Si c'est l'Éternel, allez donc à l'Éternel. Amen. Faites Amen. Donc votre choix. Amen. C'est ainsi que, on donne donc le taureau, il dit bon, le Dieu qui répondra par le feu sera le vrai Dieu. Amen. Invoquez donc, vous qui êtes tellement nombreux, invoquez votre Dieu. Et j'attendrai, quand vous aurez terminé, moi je vais aussi invoquer le mien. Regardez, frère, ça. Pour que vous puissiez comprendre pourquoi on parle d'Élie. Puis je reviens vite dans Luc 21. Donc, on a un service de matin tout à l'heure. Et alors, regardez bien. Il dit, mais bon, vous coupez, vous allez couper effectivement, mais invoquez seulement que votre Dieu réponde par le feu pour consumer l'Holocauste. S'il répond, alors il sera le vrai Dieu. Vous allez invoquer, et moi aussi j'invoquerai aussi le nom de l'Éternel. Il leur a laissé donc la possibilité, parce que c'était tellement nombreux, de pouvoir arriver à pouvoir faire cela. Et ils ont commencé à pouvoir invoquer Baal, tous, le peuple avec eux, et ils étaient tellement si nombreux. C'est pourquoi ne soyez jamais impressionnés par le nombre de gens. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Ce n'est pas le nombre de gens qui fait que Dieu est là. Amen. Amen. C'est très important de comprendre cela. Il était seul, mais Dieu était avec lui. Amen. Et voilà qu'il a dit, bon, priez-le, invoquez-le. Ils ont commencé à pouvoir invoquer Baal. Ils ont commencé depuis le matin, là, midi, et puis il a dit, mais peut-être qu'il est parti en voyage. Criez plus fort, peut-être qu'il dort. Regardez bien, avec quel courage. Il voulait marier un seul homme, une seule personne. Amen. Avec 800 prédicateurs et docteurs, tout ça. Et puis avec des milliers de peuples avec eux, lui seul. Amen. Et lui, il est tellement nombreux, parce que c'était un livre, Dieu va nous donner à invoquer l'heure. Peut-être qu'ils dorment, crier très fort, et ils ont crié très fort. Il va se réveiller, il dit, mais il va se réveiller. J'aime Amen. Beaucoup cet homme. Amen. Il dit, mais Amen. Il va se réveiller. Il était seul, monsieur. Amen. Quel courage. Amen. Et puis, Alléluia. Quelle foi Amen. En ce Dieu-là. Amen. Donc, il défendait effectivement la parole de Dieu. Alléluia. Il défendait Dieu lui-même. Il dit, mais invoquez, il dit, mais criez fort, faites ceci, mais faites encore beaucoup de bruit. Ils ont fait de bruit, rien du tout. Jusqu'au temps du soir. Amen. Patient, monsieur. Amen. Et sûr et certain de son Dieu. Amen. 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 Ce n'est pas dans la précipitation, monsieur. Dans le calme et la tranquillité. Amen. Jusqu'au temps du soir. Oui, messieurs. Alors, ils ont observé, ils ont fait tout un tas de bruit. Oui, nous savons, il n'y a pas de problème, faites ce que vous voulez. Je vous écoute seulement. Mais ce dont j'attends de vous, ce que Dieu répond par le feu. Jusqu'au temps du soir, il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Il dit, mais peut-être qu'il est parti en voyage. Appelez-les qu'il revienne, qu'il a pas besoin qu'il revienne. Ils ont tout fait. Et puis maintenant, il dit, vous avez fini, ils sont même lacérés, ils ont même prophétisé, il dit, vous avez fini. Alors il dit, voilà, maintenant c'est à moi. Alléluia. La première des choses, c'est que Élie a rétabli l'hôtel. Ça, la restauration, messieurs. Ramenez. Ça a commencé avec Élie. Amen. Oui, monsieur. Voilà pourquoi Dieu aime cet homme. Et puis maintenant, quand il a rétabli l'hôtel, et maintenant, il a dit, mais versez de l'eau. Oh, oui. Et les pierres étaient au nombre de 12 tribus d'Israël, s'il vous plaît, monsieur. Amen. Donc il ne faisait rien par sa tête, et lui, mais il faisait parce qu'il était conforme à la parole de Dieu. Amen. Oui, monsieur. Amen. Il n'était pas distrait. Non. Et maintenant, versez de l'eau. Effectivement, j'ai dit, mais pourquoi 4 cruches fois 3, ça faisait 12. Amen. Donc il n'y avait rien de par hasard. Amen. Non, quand l'Esprit de Dieu conduit, frère, Amen. Tout est parfait. Amen. Il n'y a pas de conflit, en fait. Non. Et voilà que le genre, mais il est malade, il faut verser de l'eau, c'est pas possible. Et il est malade, c'est quand il dit, versez de l'eau, versez encore de l'eau, versez encore de l'eau, effectivement. Et puis il dit, mais Éternel, Alléluia. Toi qui es le Dieu d'Israël, que l'on sache aujourd'hui, Alléluia, et dans les cieux, et sur la terre, tu demeures le Dieu d'Israël, tu es le bon Dieu, il n'y a que toi ici, j'ai fait toutes ces choses par ta parole à toi. Alors Dieu d'Israël, réponds, réponds, Éternel, et l'on
sache que tu es Dieu Amen. Et que je suis ton serviteur. Amen. Alléluia. Amen. Le feu est descendu du ciel. Alléluia. Oh oui, madame. Amen. Oui, monsieur. Amen. Le feu est descendu. Amen. Et puis il a dit que ce peuple sache oh. que c'est toi. Amen. C'est toi Amen. Qui ramène, Amen. Qui ramène Amen. Leur cœur à toi. Amen. Pas moi, Élie. Non, monsieur. Alléluia. Il faut que nous comprenions, frère. Pas moi, Élie. Mais toi, Seigneur. Amen. Quand il était dit qu'il les ramènera, c'était pas lui qui allait ramener. Non. Mais lui, monsieur, en fait, c'est toi, Amen. Qui ramène leur cœur à toi. Mon frère, nous devons sortir de l'idolatrie. Amen. Et toutes ces choses dans lesquelles nous, nous sommes tellement restés en grève pour que nous servions, étant nettoyés, le Dieu véritable. Amen. C'est ce que tous les prophètes, même Élie lui-même, veut dire que, enfin, qu'on sache que c'est moi qui les ramène. Non. Non. Que je fais ça parce que je suis tout dedans. Je fais ceci sous la barre de ta parole. Amen. Et que le peuple sache. Et ce n'est pas moi, non. mais que c'est toi Amen. Qui ramène leur cœur à toi. Mon frère, un seul tout véritable homme de Dieu, Amen. Qui a l'esprit de Dieu, donnera toujours gloire à Dieu. Amen. Parce qu'il sait que ce n'est pas par sa force, Amen. Mais c'est grâce au Seigneur. Amen. C'est pourquoi il disait, ainsi par les âgés, ainsi par les amis, non, non. ainsi par l'éternel. Amen. Oui, monsieur, Amen. Oui, madame. L'expression quand il s'est remetté tout à fait clair. C'est normal que Jean-Baptiste dit non, je ne suis pas Élie. Non, monsieur, je ne suis pas Élie. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Amen. Ya. Oui, monsieur. Maintenant. Le Seigneur, quand il a parlé de Jean-Baptiste, il a dit, c'est lui l'Élie. Vous avez entendu? Amen. C'est lui l'Élie qui devait venir. Amen. Vous avez entendu? Amen. C'est lui l'Élie qui devait venir. Qu'est-ce que cela veut dire, effectivement? Mais en fait, c'est lui en qui l'esprit d'Élie allait être. Amen. Amen. C'est sur les êtres. Donc, effectivement, il a, l'ange avait dit clairement, il marchera devant Dieu avec l'esprit Amen. Et la puissance de lui, monsieur. Amen. Parce que c'est cet esprit-là Amen. Qui donne effectivement l'éternation parce que c'est l'esprit de Dieu. Amen. Mais quelle connotation d'Élie, effectivement, pas d'Élie parce que la puissance de ramener. Amen. De remettre les choses à leur place, monsieur. Amen. Amen. De tenir ferme effectivement contre les dénominations, contre Amen. Les organisations, effectivement, Jean-Baptiste a tenu ferme. Amen. Il leur a dit effectivement, vous, race des vipères. Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. Excellent. Oh. Contre les Lévites, effectivement, vous, race des vipères. Pour faire cela, c'est comme ils ont dit, invoquez-les, ils viendront, mais ils dorment peut-être. L'homme déterminé, Amen. L'esprit là en lui, Amen. Donne la force, monsieur. Amen. La même chose pour cet homme. Amen. William Branham s'est tenu effectivement, mais sous les dénominations. Certainement, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Oui. Ce n'était pas l'homme, mais l'esprit dans l'homme. Mais il n'était pas Élie, monsieur. Amen. Mais il avait l'esprit de Élie. Chaque chose doit. Tête à sa place. Amen. 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 Alléluia. Notre Dieu nous accorde cette grâce pour que nous soyons purs. Vous savez, et sera irrépréhensible, sans tache, ni ride, ni rien de cela. Amen. L'épouse doit être pure. Qu'il n'y ait rien d'autre Amen. En elle que. Si ce n'est que Dieu lui-même, Amen. Ce n'est que la parole de Dieu. Amen. Rien. Parce que, tel il est, tel nous sommes appelés à pouvoir être. Afin que nous positionnons les choses comme elles doivent être déterminées.
Alors vous voyez, c'est pour que nous comprenions que quand ils sont allés pour poser la question à Jean-Baptiste, c'est parce qu'ils avaient vu qu'il y avait quelque chose qui s'est passé, parce qu'ils avaient entendu que Dieu allait faire. Donc, mais en fait, ils ne se sont pas rendus compte effectivement que c'était vraiment Dieu lui-même qui était donc à l'action. Alors c'est comme cela que la question était que quand toutes ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance, votre rédemption approche. Et en fait, il faut que nous sachions quelles sont donc ces choses en question. Pour que quand nous les verrons, puisque si celui-là, c'est vraiment celui dont les Saintes Écritures parlent, qu'il marche avec l'Esprit et la puissance d'Élie, donc, sinon l'avait promis, effectivement, alors nous savons que puisqu'il est entré en scène, ben, le Messie est aussi à la parole. N'est-ce pas? Donc, lorsqu'on voit le messager, c'est que le Messie est là. Donc, c'est comme cela aussi, quand toutes ces choses commencent à arriver, redressez-vous, élevez vos têtes, à qui s'adresse-t-il? Car votre rédemption est proche. À qui s'adresse-t-il? Parce que ici, il est question de la rédemption. C'est pour ça que je veux que vous compreniez, frère, que vous saisissiez ces choses, elles sont nécessaires pour vous. N'est-ce pas vrai? Amen. Alors, est-ce que il s'adresse à des gens qui n'ont rien à voir avec la connaissance exacte, effectivement, de Dieu, ou bien à des gens qui ont eu la connaissance de choses et qui ont participé, effectivement, à quelque chose, parce qu'il n'est pas de la rédemption. La rédemption, c'est le rachat. Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. Mais nous savons que dans les Saintes Écritures, que nous savons que le Seigneur Jésus-Christ nous a rachetés. N'est-ce pas vrai? Amen. Il nous a déjà rachetés parce que le prix du rachat a été déjà payé. Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. Mais là, il nous parle encore de la rédemption. Est-ce qu'il faut encore qu'il y ait un autre prix qui soit payé pour que moi, je sois encore racheté? Parce qu'il a dit bien, quand toutes ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre rédemption est proche. Amen. Est-ce que je n'ai pas été racheté? Est-ce que ma rédemption n'a-t-il pas eu lieu? Et monsieur et madame, Job a pleuré. Et puis Job a crié en disant que mes paroles soient écrites avec mes mains. Gravées dans le roc. N'est-ce pas vrai? Amen. Je sais une chose, Amen. Que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Il dit, quand il s'élèvera, alléluia, quand il s'élèvera, il dit, mes yeux en moi, et non c'est mon autre, le verront. Donc il parlait de sa rédemption, de son Rédempteur. Alors, le jour où notre Seigneur a été crucifié, qui a été mis dans le tombeau, le troisième jour, il le ressuscita, alléluia. La Bible a dit que le tombeau s'ouvrit. Alléluia. Alléluia. Job est sorti. Alléluia. Parce que sa rédemption a eu lieu. Son Rédempteur avait payé le prix. Alléluia. Alléluia. Donc toi aussi, mon frère, toi aussi, ma soeur, le prix de ton rachat a déjà été payé. Amen. Et lorsqu'il parle ici de la rédemption, il s'agit d'autre chose, monsieur. Amen. Oh oui, madame. Oui, monsieur. Oh, j'aime Dieu. Amen. Parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Les gens sont souvent pressés de pouvoir partir. Il va voir, on doit essayer de voir. Circoncire un tout petit peu, couper court pour qu'on donne le temps aux gens de rentrer à la maison. Si un jour Dieu nous accordera la grâce, je dis toujours, on peut rester pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. On chante, on va prendre du café, on revient. On glorifie Dieu. On reste là encore jusqu'au soir et puis on passe au lavage des pieds. Et puis à la Sainte-Seine. Amen.
Ah oui. J'ai dit à Frère Sachet de bloquer toutes les portes. Va manger, reviens. Et puis là, mon frère avait déjà fait son pain là. Pas de problème, la table est rentrée au champ. Dieu va faire un pain. Nous entrons dans les choses de Dieu. Ah, en bouclant par la Sainte Seine et ouvrir le Saint-Esprit de Saint. Amen. Frères et sœurs, nous vivons pour cela. Amen. Alors que Dieu ait encore plus, de plus en plus la place en nous. Alors nous convitons. Alors il dit, chapitre dans Luc, pardon, Luc 21, jusqu'à ce que dimanche. Quand ces choses commenceront à arriver, donc, dressez-vous, levez vos têtes, parce que votre rédemption approche. Vous voyez cela? Maintenant, nous pouvons voir cela dans le livre des Éphésiens au chapitre 4, afin que nous comprenions quelque chose. Éphésiens 4. Éphésiens au chapitre 4. Nous lisons ici, l'Écriture qui nous lit. Dès on lit ici. C'est merveilleux, c'est bon, les écritures sont bien, sinon bon, j'aime bien cela aussi, je crois que vous l'aimez aussi, hein. C'est vrai quand même, hein. Oui. Aïe, aïe, aïe. Verset 29, il dit, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Vous entendez là? Je vais lire encore. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. Ça veut dire que il parle à ceux qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. Adressez-vous. Levez vos têtes. Parce que votre rédemption approche. Vous entendez ça? Amen. Et ici on nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. Donc vous avez reçu les sceaux. Alléluia. Que Dieu te bénisse, ma bien-aimée. Alléluia. Pour quand? Jusque quand? Pour le jour de la rédemption. Donc, on s'adresse bien à ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom. Amen. Alléluia. Amen. Et à ceux qui ont été aussi scellés de son sceau. Amen. Il dit, redressez-vous. Oh. Alléluia. Amen. Ça veut dire que l'allégresse doit monter dans votre cœur. Amen. Et faire voter. Pourquoi, monsieur? Parce que votre rédemption approche. Amen. Alléluia. Amen. Mais il nous dit effectivement que nous avons été scellés. Amen. Alléluia. Amen. Scellés pour les jours de notre rédemption. Amen. 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 Qu'est-ce que cela veut dire, monsieur? Va au Seigneur. Amen. Yeah. Qu'est-ce que cela veut dire, toi? Dans le livre de Romains, au chapitre 8, regardez ce que cet homme de Dieu nous fait savoir, je pense que c'est cela. Je pense que c'est ça ici. Nous lisons à partir du verset 18, Romains 8, 18, il dit. Amen. Merci. Amen. J'estime que les souffrances du temps présent Amen. Ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour vous. Amen. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir Amen. La révélation du Fils de Dieu. Amen. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Amen. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre le douleur de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons le prémisse de l'Esprit. Amen. Nous aussi, écoutez bien, nous soupirons en attendant à nous-mêmes, en attendant quoi? L'adoption, la rédemption de notre corps. Alléluia. La rédemption de notre corps. Amen.
Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, frère et soeur. Voilà pourquoi, mon frère et ma soeur. Le Saint Écriture nous dit dans 2 Corinthiens, pardon, 1 Corinthiens au chapitre 15, je pense à cela. 1 Corinthiens au chapitre 15. Lisons. 1 Corinthiens au chapitre 15. Il est ceci. Nous aimons la parole de Dieu. Amen. Oh oui. Oh oui. Nous aimons la parole de Dieu. Amen. Nous pouvons lire à partir. Oh, je me retends, mais c'est vraiment le temps. Oh oui. Regarde. Aïe, aïe, aïe. Verset 42, il dit. Ainsi, en est-il de la résurrection de mort, le corps est semi-corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semi-méprisable, il ressuscite donc glorieux. Amen. N'est-ce pas? Amen. Il est semi-infime, il ressuscite donc plein de force. C'est en quatre. Il est semi-corps naturel, il ressuscite corps spirituel. Amen. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Amen. C'est pourquoi il est écrit. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Amen. C'est ce qui est naturel. Ce qui est naturel, ce qui est spirituel, non, vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Amen. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Amen. Ce que j'ai dit, frère, ce que la chair et les sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, Amen. Et que la corruption n'évite pas l'incontinuité. Amen. Mais voici, je vais vous dire un mystère. Amen. Nous ne mourrons pas tous, Amen. Mais certainement tous, nous serons changés. Amen. Amen. En un instant, écoutez bien, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, vous suivez? Amen. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Amen. Car, écoutez bien, car, écoutez très bien, car il faut que ces corps corruptibles, ce que nous avons, Amen. Il faut que ce corps corruptible revête donc l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Amen. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Amen. Oh mort, où est ta victoire? Le jeu de la mort, c'est le péché. Et la prison du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Jésus-Christ, notre Dieu, que la victoire pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est ainsi que dans 2 Corinthiens au chapitre 5. 2 Corinthiens au chapitre 5. Amen. Nous lisons à partir du verset 1. Il dit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, gémissons-nous dans cette tente, effectivement, désirant revêtir notre domicile céleste. C'est ça notre rédemption, monsieur. Et lui, et si du moins, Nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Amen. Vêtus, le Saint-Esprit en nous. Vous comprenez ça? Amen. Il dit, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir. Afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Ô mort, où est ton union? Alléluia. Il dit, et c'est lui qui nous a formés pour cela. C'est Dieu Amen. Qui nous a donné les arts de l'esprit. Amen. Et nous sommes donc toujours pleins de confiance. Amen. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est cela que nous devons comprendre, monsieur, quand on parle de notre rédemption. C'est le rachat, effectivement, de ce corps ici. On est changé. Nous ne sommes plus dans ce corps, effectivement. Il faut qu'il y ait ces changements. Amen. Parce que nous ne mourrons pas tous. Mais tous, nous
serons changés. Amen. C'est ça la rédemption, messieurs. Amen. Donc, être changé à quoi? Nous revêtirons notre domicile céleste. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh oui. Oh, oh oui, madame. Il dit, nous, ainsi donc, étant en ce temps, nous gémissons. Afin que nous soyons trouvés vêtus et non pas nus. Donc pour que toi, tu puisses expérimenter cette rédemption, mesdames et messieurs, il faut que tu sois vêtu. Amen. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de votre rédemption. Amen. Donc sans le baptême du Saint-Esprit, la rédemption n'est pas pour toi. Amen. Amen. Le changement n'est pas pour toi. Amen. Non, monsieur, il n'est pas là pour toi. Vraiment. Et pourquoi? Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, comme Pierre le disait, avant l'arrivée de ce grand jour, il est glorieux. Il est glorieux pour vous qui avez le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ah oui. Amen. Parce que nous attendons qu'il vienne. Amen. Pour qu'on soit délivré de tout ceci. Amen. Revêtir notre domicile. Vous savez, quand le Saint-Esprit est en toi, les plaisirs du monde, il n'y en a plus. Amen. Tu soupires parce qu'il y a quelque chose qui est en toi. Donc tu sais, le Saint-Esprit est en toi. Jésus en toi. Tu as déjà la chose. Amen. Et tu n'es plus de ce monde parce que l'Esprit de Dieu étant en toi, Amen. Tu es différent, monsieur. Amen. C'est pourquoi, sans le Saint-Esprit, tu vas toujours visiter dans ce monde ici. Problème là, critique là, insulte à gauche, à droite. Tu es encore charnel. Amen. Amen. Oui, monsieur. Oui, madame. Le monde pour lequel tu te vas, il va sauter. Amen. Vraiment. Que tu le veuilles, que tu le crois ou pas, ça va brûler. Amen. Donc nous avons besoin de pouvoir saisir la pensée exacte de Dieu pour les choses qui nous concernent, afin que nous marchions avec assurance. Dieu est terminé par là, regardez bien, parce que je surveille le temps. Regardez bien, c'est ce que ici, cet homme de Dieu, Luc, parlait en disant effectivement au chapitre 1, quand il écrivait ce qu'il devait mettre par écrit, il dit, et selon donc Théophile, plusieurs ayant donc entrepris donc, de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès les commencements et sont donc des ministres de la parole de Dieu, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Amen. Alors que les enseignements sont très, très importants Amen. Pour le peuple de Dieu. Amen. Être instruit, enseigné dans les choses de Dieu. Amen. Tout le monde ne peut pas enseigner. Amen. Non, monsieur. Tout le monde ne peut pas enseigner. Parce que c'est de nos parties, effectivement, qui a son importance pour que le peuple de Dieu puisse arriver à pouvoir être enraciné dans les choses de Dieu. Quand les choses ne sont pas présentées comme cela, c'est toi, ils sont sur un fondement qui est en fait un faux fondement. Mmh. Ils vont bâtir effectivement, mais Dieu ne pourra jamais habiter dans cet édifice. Mmh. C'est pourquoi vous remarquerez très bien que lorsque Salomon a demandé à Dieu de lui donner la sagesse, c'était quelque chose que Dieu a beaucoup aimé. Mmh. C'était quelque chose de tellement merveilleux. Mmh. C'est pour ça que vous verrez que Salomon, pour bâtir le temple, puisqu'il avait la sagesse, donc l'Esprit de Dieu. Cet Esprit lui a conduit à pouvoir pas faire n'importe quoi, puisque Dieu n'allait pas griller. Il a conduit à pouvoir aller sur le mont Moriah, à l'endroit. Amen. À l'endroit Amen. Où Abraham Amen. Était monté. Amen. Avec Isaac, vous savez Amen. C'est là, messieurs, le mont Moriah.
à cet endroit où le terrain était acheté, oui, madame. Alléluia. Amen. Il fait bien. La seule écriture. Marie-Marie-Dia, monsieur. Marie-Dia. À cet endroit. C'est là que le temple a été donc bâti. Et quand Dieu a réveillé effectivement aussi l'esprit de l'intérieur, là c'est la différence. Tous ceux qui retournaient effectivement ne voulaient pas bâtir n'importe comment. Oui, c'était l'esprit de Dieu qui réveillait effectivement. C'était l'homme, c'est autre chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour aller reconstruire effectivement le miracle du Sabbaté? Ils ont fouillé pour trouver l'ancien fondement. Amen. Lisez les Saintes Écritures. Avec les choses de Dieu, monsieur, on ne fait pas comme on pense. Moi, je pense, moi, j'imagine. Non, monsieur, ce qui ont détruit, ce n'est ça, donner mauvaise impression. Ce sont des faux prédicateurs, monsieur. Amen. Des gens qui n'ont même pas connu Dieu. Amen. C'est vrai. Dieu nous a visités dans ces temps du soir, monsieur. Amen. Il a parlé, effectivement, dans ces temps du soir. Il a envoyé un véritable puissant prophète. Amen. C'est vrai. Amen. Et qu'est-ce que vous en avez fait? Des fanatiques, aujourd'hui, Banamadi, on n'a pas besoin de Banamadi. Amen. On n'a pas besoin. Non. Et lui-même n'a jamais dit, dites que Banamadi, non. Dites ce que la Bible dit. Amen. J'ai ça dans mon bureau, monsieur. Amen. Et c'est vous, madame, c'est vous, monsieur, fanatique. Amen. 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 Vous savez, un homme, une femme qui est comme ça, est un enfant de la perdition. Amen. Amen. Les connaissant pas Dieu, ils ont détruit même l'œuvre de Dieu. Amen. C'est la Odyssée, frère. Le mélange de tout. Et parce que tu parles de Paul, tu parles aussi de. Tu as parlé aussi de Branham. Je dis non, dans la Bible, il n'y a pas de Branham. Amen. 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 Alléluia. Si vous me montrez là, je parlerai de lui. Oui, c'est vrai. Moi, je suis appelé à prêcher la parole. Amen. Pas prêcher les hommes. Paul est dans la Bible. Pierre est dans la Bible. Jean est dans la Bible. C'est normal que Paul a écrit, Jean a écrit. Maintenant. Si on dit oui, mais frère aussi, c'est la révélation, Dieu, c'est aussi pour dire, écoutez, voilà, si William Branham, on doit l'ajouter ici, alors là, j'ai un petit problème. Parce que dans ce que j'ai dit comme Bible ici, on m'a dit, écoutez bien, frère et soeur, je vais terminer par le. On m'a dit ici que les derniers chapitres de la Bible, c'est le chapitre 22. Amen. Alors, montre-moi où je dois ajouter autre chose, parce que c'est lui qui m'a envoyé, m'a dit, si tu ajoutes, tu te rattraches, ça va se retrancher. Et moi, je veux savoir ce que je voulais que tu fasses. Lui, il me dit ça, toi, tu me dis quoi? Frère et soeur, place-toi les autres à leur place. Les jours où je ne serai pas là, frère, vous penserez. Je sais. Je sais ce qui vous bouge dans vos cœurs. Vous me les restez, frère. Oh, le frère, là, je sais, frère, ça sent. Mais un jour, vous pleurez. Frère, vous pensez que je peux me tenir ici, sachant que, avec ça, je suis haï par tout le monde. Tu sais l'être humain, non? Si je lui dis ce que je sais où je me tiens. Amen. 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 Je vous ai dit. Le Dieu du ciel m'a consolé. Amen. Quand il m'a mis en part, il dit, voici le groupe que tu comptes. Amen. Moi, je pars au ciel, je partirai tranquille. Amen. Et messieurs, et quand il m'a montré ce groupe, et qu'il est venu dans le palais, vous vous souvenez, frère, je sais ce que Dieu m'a donné. Amen. Amen. Vous pouvez patauger, vous pouvez faire ce que vous voulez. Frère, je sais, je suis sûr et 100%. Le même esprit qui a conduit William Branham, c'est le même qui nous conduit. Amen. Si vous êtes avec Paul, si vous êtes avec Jean, avec Pierre, c'est le même esprit. Amen. La Bible en main, frère. Et l'âme du Seigneur se tient ici. Vous l'avez déjà vu, vous le savez, même en Afrique, on a vu la colonne de feu, c'est une vous le savez, Amen. Le monde le sait, les journaux le savent, monsieur. Amen. Amen. Alors je sais où je me tiens. Amen. Lève-nous. Amen.